since you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Ohio les amis, c'est Akito et on se retrouve sur un jeu free-to-play, un jeu qui est disponible sur Steam, et un jeu que j'ai particulièrement squatté ces derniers temps vu que j'ai fait pratiquement 70 heures de jeu dessus. Ça fait à peu près une semaine que j'ai pas joué et entre temps bah il y a eu une grosse mise à jour et malheureusement j'ai pas pu vous montrer l'ancienne version. Mais voilà, je vais vous montrer la nouvelle version. C'est ma première connexion depuis une semaine maintenant. Et là, après la mise à jour, bah je vais jouer. Et on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Ouais, j'ai envie de faire le prologue, etc. Allez. For generations you've slept. No purpose. No call to wake you. En tout cas, il a l'air super beau. Something has risen from the ruins of the old war. The Grineer. Swallowing colonies whole, their clones flood the system from a hidden, toxic womb. The twin queens, the sisters, have sent their most beloved commander, Vor, on an urgent mission. To protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep. Je comprends pas tout. D'accord, apparemment nos héros, enfin le héros qu'on incarne, était prisonnier ou un truc du genre. Enfin, ou qu'il était en train de dormir, ou j'en sais pas. Enfin, j'ai pas tout compris. Ouais, enfin, je crois que j'ai compris qu'il était dans une phase de sommeil. Parce que la guerre était finie ou un truc du genre. Ah, voilà. Comment ça choisir? J'ai déjà choisi, moi c'est Excalibur, je suis niveau je sais plus combien déjà. Ouais, mais je reprends Excalibur de toute façon. Hop. C'est pas normal, il a changé. C'est pas cette couleur que j'avais moi. Dis-moi pas qu'on va recommencer. Comment ça je fais à toi? Vas-y, t'es trop dégueulasse. C'était une meuf, ouais. Ouais, là on va commencer le combat. Merde, j'ai pas d'armes. Pourquoi
pourquoi j'ai pas de mon épée? Un nez de pistolet, putain. Bon, bah on va attaquer comme ça. Hein. Ouais, d'accord. Elle a chargé mon pouvoir à fond. Hop, je retrouve les. C'est quoi ça? Choisir une arme de mêlée. C'est quoi cette connerie? Ramasse MK, je sais pas quoi. MK Pharax. Et scan. J'avais le scan moi avant. Mais dis-moi par quand on recommence tout. Moi j'avais une grosse épée et tout. Allez. Je suis pas d'accord. Je prends l'épée, c'est plus classe. Et ouais, je suis un pro à ce jeu. Dégage. Ah non. J'ai raté mon coup. Voilà. Choisir une arme secondaire. Putain, par contre, ouais, moi j'avais qu'une arme secondaire, je l'ai jamais utilisée en fait. Du coup, je les connais pas. Bon, celle-ci. Fury. Lato. Et... Kunai. Oh putain. Bon, la meilleure qu'elle a une belle gueule. J'ai l'impression que celle-là qui a une plus belle gueule, non? Oh, je prends en cas où, de toute façon. Oh merde, non! C'est des couteaux de jet! T'es sérieux? Aïe aïe aïe, Ah! Ah d'accord, je peux. Voilà, je préfère celle-ci, je crois. Bon. Bah tiens, vu que apparemment je peux reprendre, je vais essayer de voir que, ce que ça donne au niveau des armes de mêlée. Comme ça, vous allez les voir aussi. Elles ont dit... Ah non, elles sont là encore. Non! T'es con. Ah, c'est un bateau. Un bateau. Pff, un bâton. Et c'est quoi ça? Ah putain, c'est des gants de boxe. Ah, classe, mais bon. Je reprends mon épée. Je préfère l'épée. J'ai perdu mon arme. Non, elle est là. Pourquoi je peux pas la prendre? Pourquoi je peux pas prendre mon arme? Bon, désolé les amis, je vais regarder. Ça a changé au niveau des compétences de touche. Changer d'arme. Ah, voilà, changer d'arme, F. T'es sérieux? Ah ouais, bon. Ah,
Ça va, elle a l'air puissante cette. Ah, je retrouve. On va se faire des réserves et tout. Mais j'espère vraiment que j'ai gardé mes tout le niveau que j'avais avant. C'est quoi ça? Non! Faut que j'aille là-haut. Comment je vais monter moi? Allez, tu perds trop de temps. J'ai pas l'impression que je peux le tuer comme ça en fait. Aïe! D'accord. Je suis en train de... Putain, Farid, il fait mal. Je crois que c'est la seule. Putain, mais par où je peux monter? Putain, mais je suis vraiment con en fait. Gérer mes fils, préparer les... Oh, oh. Il est passé où?
Descends là, t'as pas le droit de voler. Zone interdite. Niveau supérieur. Non mais t'es sérieux? Niveau 1? Non 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 non, je suis pas d'accord, moi je veux reprendre mon niveau. Putain, 70 heures de jeu mon gars. Putain. Le nez qui me gratte. Non 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 non, s'il vous plaît. Putain, j'espère que c'est juste le prologue, sinon je suis dans la merde. Ah mais... Non, t'es con. Voilà, il fallait appuyer sur espace. Putain, ça fait... Oh. Allez! On va ouvrir tout ça pour gagner un peu d'argent. Ah, je dois choisir mon arme principale, t'es sérieux? Ça c'est un arc, bah ouais ça se voit. Ça c'est un fusil à pompe, je suis sûr. Et ça c'est l'arme que j'avais avant. Et voilà. Eh ouais, je préfère celle-ci. Bah tiens, on va essayer l'arc, j'ai jamais essayé. Non, trop long. Trop long, trop long. Bon, si t'as pas envie de crever. Ah, sans le matin. Ah oui, d'accord. Si je le maintiens, c'est mon épée que je sors. Si je le maintiens pas, c'est entre... Ouais, d'accord, en fait, c'est pareil qu'avant, quoi. Enfin, avant, non. Parce qu'avant, c'était la molette... Enfin, moi, j'utilisais la molette de ma souris. Du coup, là, la touche F... R10, d'accord, joli nom. Ça c'est un nouveau truc par contre, R10. C'est une intelligence artificielle, c'est quoi? Allez. Ah oui, d'après... D'après ce que j'ai compris des discussions sur Steam, descends là. C'est que
Apparemment, on va avoir un. Comment dire? Notre propre vaisseau, un truc du genre. En fait, il y a la façon de jouer qui a changé. Il est où cet enfoiré? Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les armes ont des niveaux. Et je crois que le maximum c'est niveau 30 si ça n'a pas changé comme avant. Oui, si ça n'a pas changé, c'est niveau 30. Après, bien sûr, on pourra. Je pense qu'on pourra les customiser ou un truc du genre. Etc. Bref, les amis, je ferai une autre vidéo le temps que je comprenne pourquoi tout ça c'est hors ligne et pourquoi je peux pas accéder à la plupart des de pourquoi je peux pas accéder à mon inventaire par exemple et aux cartes que j'ai etc. Enfin bref. Ah putain, ça a changé. Oh, trop joli là. Le vaisseau, ça c'est la Terre ça. Ah oui, bah oui, ouais, je fais des missions à côté de la Terre. Oh putain. Magnifique. En tout cas, ce jeu, il est graphiquement, il est superbe. Sérieusement, graphiquement, il est beau. Même s'il y a encore quelquefois des textures. Ah putain, j'adore ces vaisseaux. Oh, trop joli. Putain, la Terre et tout. Magnifique, l'effet de la lumière, du soleil et tout, c'est. En tout cas, ça tape dans l'œil, c'est abusé. Je pense qu'il y a une histoire à suivre, vu qu'apparemment j'ai toujours le truc au pied que le mec du prologue m'a mis. Donc je vais essayer de refaire toutes les missions de la première. Ça va me prendre un temps fou, mais bon. Je vais essayer de faire tout ça pour pouvoir débloquer à part. Je pense que. Pour débloquer tout ce qui est à débloquer sur mon vaisseau. Arrêtons de parler. Moi, je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien sur les jeux vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, je salue les 6 abonnés que j'ai actuellement. Salut à vous et merci de votre soutien. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Sayonara.